Salut tout salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on l'a présenté hier et là ça l'a présenté sur sa chaîne également aujourd'hui. Parce que oui, bon, j'avais oublié de dire des trucs dans la vidéo d'hier, là ça, j'ai oublié de présenter des choses. Voilà, je le dis, j'ai oublié de présenter des choses. Donc c'est le tout nouveau véhicule. Donc si vous voulez voir les toutes nouveautés qu'il y a sur ce nouveau véhicule, je vous invite à aller voir sur la chaîne de la salle qui est sortie tout à l'heure. La vidéo est sortie à 7h la salle, si je me trompe pas. Tout à fait. Là, il est 9h, moi je sors à 9h le week-end. Parce que le week-end c'est 9h et la semaine c'est 6h. En tout cas les gars, n'hésitez pas à être un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci à Brutal Creator, le nouveau boss babouin. Voilà, dédicace à toi, parce que je fais une dédicace à chaque fois qu'il y a un boss babouin à la salle. En tout cas, je prends ma caméra, hop hop hop, voilà regardez, hop, je vais lancer. Non, déjà je lance le parcours à la salle. J'avais une petite question à te poser à la salle. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de perdre contre moi? Comment ça? Je rigole. Non, par contre, en 2021, la salle, je pense que, à mon avis de vous, la salle, je vais être un peu plus fort. Voilà, je le dis, je vais être un peu plus... Je vais pas rigoler. Hop, c'est parti, regarde. D'ailleurs, t'as pas changé, la salle, t'as toujours... Ah, bah oui, merde. La salle, c'est... Mais attends, mais tu sais que t'es au courant que t'as ma... Mais attends, t'as ma coupe du RP, là. Je suis pas fou là dans le chat, ceux qui regardent les live. D'ailleurs, on est en live hein, tous les soirs, au passage. La coupe du RP. À 20h30. Ouais, c'est j'ai la même coupe en RP. Dans le RP, mon personnage, il a la même coupe. Mes prêts. Ah bah, c'était moi qui n'avais pas mes prêts du coup. Ok, du coup, voilà, c'est la nouvelle voiture que j'ai présentée hier et que la salle a présentée aujourd'hui sur sa chaîne. Et du coup, ce qui est stylé, c'est qu'on peut se poser dessus, la salle, on peut surfer. Bah oui, parce que... Parce qu'Anune, il présente un véhicule et il oublie la moitié des choses. Donc du coup, je suis obligé de la représenter. C'est vrai, là, ouais. Et oui, mais j'ai pris le départ boost. Dans les commentaires, ils me disent, ouais, Anune, tu prends pas le départ boost. Bah des fois, j'ai pas envie de le prendre parce que bon, certes, ça peut servir, mais quand on est avec la, quand on est entre nous deux, ça sert pas, quoi. Tu vois, on est entre nous deux, quoi. Alors, le mien, il est non custom. Hein. Voilà pourquoi t'es en train de me mettre une avance. Mais waouh. Effectivement, je me disais bien pourquoi la salle n'est pas dans le rétro ou très loin dans le rétro. Alors c'est un parcours avec la nouvelle voiture, comme je vous ai dit, d'ailleurs je ne vous l'ai pas présenté, mais le prix est de 875 000. Avec les customisations, on est à peu près à 1 million 3-4 je dirais. C'est comme un véhicule qui coûte cher. Okay. Wow. Wow. Oula, attends. Je sais pas si tu auras beaucoup d'élan toi aussi. Non, moi je suis tombé. Ah, t'es tombé? Donc... Ouais. Eh bien, disons que j'ai eu trop d'élan. J'ai failli avoir trop d'élan, j'ai failli tomber. Mais ça va, j'ai réussi à gérer le truc. Après, c'est peut-être parce qu'il a fait en non-custom, tu vois, lui. Ok. Ah ouais. Par contre, c'est wild, dans les commentaires, à la salle, j'ai regardé un peu lesquels ils aimaient. Il y en a beaucoup qui aimaient le tien. Mais il y en a, tu vois, ils disaient quand même qui kiffait le mien, tu vois. Parce qu'ils disaient, ouais, la salle, c'est trop basique, c'est noir, genre, tu vois. Bah, toi le tien, c'était Jackie Tuning des années bisextiles. Et moi, c'était soft, quoi. Genre, c'est soft. Exactement, la salle, c'était soft. Mais, oula, je suis sur le casino, la salle, sur la terrasse. Ouais, tu vois, j'en étais sûr, je suis allé plus loin, les gars. Et ça, je peux vous dire que ça picore du pain dur. Mais par contre, quand on voit le véhicule, comment il est au début, et quand on le voit comment il est là, on se dit quand même, Rockstar, ils vont très loin. Ils vont chercher des trucs... Par contre, t'es au courant que ce véhicule à ça, il est gratuit de base. Ah bon? Ouais. Comment? En fait, quand tu débloques je crois que c'est des missions secrètes, tu vois, que tu débloques. Ah, bon, là, ça, il y est plus. Hein. Et bah, du coup, tu l'as gratuitement. Et en même temps, t'as la customisation spéciale qu'il y a dessus, là, qu'on n'a pas débloqué. Tu sais où il faut danser, là. Faut danser 5 minutes, je sais pas quoi. Là. Enfin, bref, c'est trop chiant, quoi. Oula. Je me dis pas que c'est une course rale, mais en fait, il faut essayer de passer par là. Par contre, je te vois pas, la salle. T'es où? Ah ben, mon véhicule, moi, à chaque truc, je tombe. Hein. Il manque de puissance. C'est waouh. Ok. Ok, faut connaître. Hein. Faut connaître. Parce que vraiment, je peux vous dire que c'est pas mal. En tout cas, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, les créateurs. C'est pas le même créateur que d'habitude, la salle qu'on fait. Mais en ce moment, ils aiment bien nous faire des courses sur les bâtiments. Je sais pas ce qu'ils ont. Ouais, c'est vrai. Pourtant, c'est un concept que j'ai créé en 2014. Tu te souviens? C'est vrai. La course en moto sur les bâtiments. Qui se rappelle de cette course dans les commentaires? On a fait et refait hein, plusieurs fois. On l'a fait sur. D'ailleurs, on l'a pas fait sur PS5 la salle. Non. Ouais. Peut-être qu'il y aura le nouveau.
quand il y aura le nouveau nouveau GTA 5, puisqu'on rappelle que pour l'instant on est sur GTA 5 PS5, mais avec la version PS4. Donc du coup il n'y a rien de... Oula. Tu sais que je pourrais jamais te rattraper, parce que c'est impossible. Bah disons que le custom ça a rien à voir quoi. Impossible que je te rattrape, mais vraiment. Bah franchement je suis en train d'avancer en plus, donc j'avance mais je te vois très loin dans la map. C'est normal. Je viens à peine de monter sur le premier bâtiment à l'instant. Ah ouais donc effectivement je pense que tu peux oublier. Après je sais pas si c'est un parcours hard, tu vois, donc Non, il est pas hard du tout, ça se voit. C'est... Pour l'instant c'est simple. Donc vu que c'est simple et que j'avance, tu vois, c'est compliqué de rattraper, tu vois. Alors que si ça aurait été hard, tu vois. Si ça aurait été? Ouais. Non. Mais il dessine pas les raies. On comprend là. Je sais que tu me l'as fait tout le temps celle-là. Ah c'est logique, je veux dire le gars. En fait, toi, tu fonctionnes, mais ça vraiment, tu sais, comme un animal qui a deux de QI, tu vois, genre, il voit, je sais pas, une vitre, il fonce dedans, il se dit pas, bon, bah, c'est fermé, je vais chercher. Non, il va foncer dedans, genre, pendant, 50 fois, jusqu'à s'éclater le crâne. Bah, toi, c'est comme ça que tu fonctionnes. J'ai compris, là, ça, j'ai compris. Moi, ça, je devais pas avec les pions. Alors, déjà, tout ce que je sais à la salle, c'est que je passe et que je repasse. Et ça... C'est important. Je passe et je repasse. Ok, pour l'instant, les gars, on est beaucoup sur des bâtiments. Bonsoir, comment vas-tu, toi? Oula, c'est un Mexicain ou quoi, lui? Là, j'arrive à Vinoud, hein. T'imagines, j'arrive au bâtiment, là, à côté de Vinoud. Ah ouais, t'es loin. En fait, je pense que vu que t'es pas en custom, elle doit avoir du mal en accélération, tu vois. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi j'avance bien, je suis plutôt pas mal. Alors. Ouais, en fait. T'es vraiment lourd. Là, pour le coup, la salle, c'est vrai que t'as une longue custom, donc là on peut pas dire ouais, je peux pas être fier de moi, tu vois, vu que je t'ai battu. Bah, vu que je suis en train de te battre, je t'ai pas encore battu, parce que là, attends, j'ai pas encore validé le parcours. Mais. Techniquement, les gars, c'est pas. Voilà quoi. Hein. Oula, on va tu vois là j'arrive au tuyau, t'as dû les passer du premier coup, bleu. Ouais. Ah bah ça moi, va, t'es pas si loin que ça. Hein. Bah moi elle veut pas, tu vois, regarde, là je vais rester bloqué longtemps parce que elle a pas assez de puissance donc ça veut pas monter. Qu'est-ce qu'il fait? Mais dis pas que c'est fini. Bah c'est fini. Alors on va voir où t'es du coup. Ok, eh bien écoutez, la course est finie, on va attendre que ça charge les gars tranquillement. Pour arriver sur l'écran de la salle, bah voilà, on est sur l'écran de la salle. Bah franchement, t'as fini. Après, il reste quoi? Il reste une petite montée sur un bâtiment. Mm-hmm. Genre au fond, là, tu dois monter sur un bâtiment vite fait, quoi. T'as vraiment un autre petit parcours. Et ensuite, bah, il y a rien de spécial. Tu vas jusqu'au la fête foraine tout au fond, là, tu vois. Et t'as fini, ouais, je crois. Même. Ouais, tu vois, tu tournes ici, là-bas, t'as ce petit parcours. Ah là, ouais, je vois, il y a encore bâtiments, un parcours. Eh bien, 6 minutes 24 pour ma part, la salle, pour ta part, du coup, non classée. Ça fait bizarre de devoir non classer la salle, voilà, je le dis. Bon, après, il a un véhicule non custom, je le rappelle, les gars, donc c'est normal. Mais on retient quand même que mon véhicule reste plus beau d'après certains, les gars. Parce que la salle, c'est vrai qu'il a fait un véhicule en mode Batman. Donc, voilà. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche. Et merci encore à Brutal, voilà, c'est dédicace à toi, là. Clairement c'est une dédicace à Brutal dans cette vidéo. N'hésitez pas à devenir membre si vous voulez, vous cliquez sur le bouton rejoindre, vous avez le lien en description. Voilà, c'est fait, c'est gratuit. En tout cas, ciao tout le monde, bye bye, bye bye. Bye bye bye.